Ah, tu peux me l'ouvrir, s'il te plaît ? Ouais, carrément. C'est Tim. Félicitations pour ton bébé, mais ne compte pas sur moi pour être le père, sans rancune. Eh ben super, moi, c'est clair. Mais attends, sans rancune, c'est un gros connard. Eh ben, tu sais quoi ? Quelque part, ça me soulage de pas avoir à partager mon bébé avec un gros boulet, tu vois. Non, franchement, c'est vrai. Et à l'intérieur, on a l'air d'accord. Je vous jure. Hello ? Salut. Ça va ? Ça va, toi ? Ouais. T'as un dossier Evno ? Evno comme Barbara Evno ? Oui, oui, c'est son père. Ouais. Il est passé tout à l'heure pour me demander un service. Mais quoi ? Réponds. En fait, il a envie de gérer sa succession et du coup, il m'a demandé des conseils, quoi. Ouais, pour quelqu'un qui voulait prendre cette distance, c'est râpé. Non, mais là, c'est pas pareil, c'est Léo, c'est pas Barbara. Oui, mais si c'est par rapport à ces histoires de succession, j'imagine que ça concerne le bébé de Barbara. Ça va te replonger dans pas mal de choses. Oui. Après, je te cache pas que j'étais pas chaud, mais... C'est juste que là, il m'a demandé ça comme un service, j'ai pas eu le cœur à lui dire non, quoi. Tu veux que je m'en occupe à ta place ? Ce bébé, il était pas prévu. Et d'ailleurs, je trouve ça toujours aussi dingue. Enfin, le seul truc dont je suis sûre, c'est qu'il doit t'entourer d'un maximum d'amour. Oui, c'est sûr. Donc je me disais... que si jamais il m'arrivait quoi que ce soit... Barbara... Non, attends, vraiment, laisse-moi finir. J'aimerais bien. Mm-hmm. Enfin, c'est surtout que ça me rassurerait vachement. Si t'acceptais d'être sa marraine. Moi ? Ben, oui, toi, pas la cliente au fond là-bas que je connais pas. T'es d'accord ? Mais t'es malade, bien sûr que je suis d'accord. C'est vrai, je suis trop contente. Non, c'est vrai, oui. Oh, je suis... Alors tu vois, enfin non, tu vois pas, mais franchement, fais-moi confiance. Ça, c'est ta super marraine. Elle s'appelle Estelle, et c'est ma meilleure copine. Et oui, bébé, c'est moi. Alors écoute, moi je vais te dire un truc, c'est que tu as une maman qui dépote. Alors fais gaffe, à la crête, je suis persuadée que tout le monde va vouloir te la piquer, donc tu fais gaffe, ok ? Premier conseil. Et dis-moi. Oui. Y'a pas un ? Ah ah ! Bonne question. Mm-hmm. Avec qui tu vas avoir la lourde tâche de veiller sur cet enfant ? Attends, laisse-moi deviner. Je crois que j'ai mon idée.